Dans les années 60, nous avons un archéologue, Roger Grosjean, qui intervient sur le site de Kaouria. Il va s'intéresser aux stantari, qui sont donc des stèles gravées, des stèles qui étaient dressées dans le paysage et qui ont été retrouvées couchées, sans doute par l'œuvre du temps et aussi les bergers, l'église également, qui a voulu faire disparaître du paysage ces stèles. Ces stèles, voilà comment elles se présentent, donc gravées avec le visage et l'armement du personnage de l'âge du bronze, avec son épée qui est pendue autour du cou. Roger Grosjean va les redresser, les reficher en terre pour pouvoir les dessiner, pour pouvoir les étudier. Et ce travail va être réalisé de façon assez générale. Malheureusement, le temps va faire son œuvre. Aujourd'hui, on découvre que le lichen, qui est une association d'une algue avec un champignon, par ses micro-racines, pénètre dans la pierre et la fait éclater. La peau, en fait, de la pierre se détache et tombe, ce qui est préjudiciable pour la conservation des monuments et ce qui nous cause donc un problème qui demande d'intervenir sur ces questions en termes de conservation-restauration.